Et donc, je prends un exemple aussi, le sport. Le sport populaire à la ville, le sport de haut niveau à l'agglo, on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'il y aura une seule tête qui est maire adjointe des sports à l'esprit de l'agglo? On n'en est pas là, mais il faut une vraie complémentarité. À quoi sert le sport de haut niveau? Qui le finance? La ville a financé du sport de haut niveau, je pense que ce n'est pas la bonne chose. Quelle sera l'équation du sport populaire? On pourra avoir des exemples sur la culture, on va avoir des exemples sur les services, la réforme du bloc communal. Est-ce qu'on va garder des services à la mairie, des services à l'agglomération? Il faut qu'effectivement, il y ait un travail de complémentarité. Et Philippe, en fait, il n'y a pas ce travail-là. Philippe, il nous dit, moi, j'ai fait 64% sur un sondage, je n'ai pas des accords avec tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de gauche, de véritablement de gauche. Et si j'avais Jean-Pierre Aumour aussi, je n'irais pas tripatouiller Joseph Francis de lui. Ça n'existe pas. Pour être maire, ce n'est pas n'importe quelle recette alchimie à faire. Quand on est de gauche, on est de sa famille de gauche. Donc voilà pourquoi, au niveau de la participation des Philippe, je ne le ferai pas.